je suis à SMF. SMF. Il faut que j'aille voir dans la boîte. Un message? Bien, je vais donner ça à mes camarades. Et c'est quoi? C'est un petit carnet. J'ouvre. Attends. Il y a un papillon dessus. Un papillon? Ah. La légende des papillons de la Bigotière. Il y a 300 millions d'années, peu de choses, vivaient sur la Terre, nous dit le carnet, des insectes géants. Géants ? Plus grands que le carnet. Cette époque, le Permien, une période géologique à la fin du Paléozoïque. Paléozoïque. Déjà à cette époque-là, les filons de dolorite, visibles à la Bigotière, issus des volcans de la chaîne cadomienne, puis de l'érosion, sont présents. La Pangée, immense continent qui s'est fracturé en plusieurs continents, commence tout juste, justement à se fracturer, et la Bigotière se trouve au niveau de l'équateur. Pas mal, hein. Ah. Une nouveauté. Alors vraiment une nouveauté. Il y a entre 2 et 3 millions d'années. Un peu moins. Un peu moins. C'est pas trop. Un peu plus. Les premiers humains apparaissent sur Terre. Sacrée nouveauté. Et aujourd'hui, il ne subsiste de par le monde des humains et de minuscules petites bêtes, des minuscules papillons. Et une légende locale raconte que dans toute la Bretagne, et particulièrement dans une ferme des Pignacs, au lieu dit la Bigotière, de temps en temps, on aperçoit des papillons géants. Effectivement, début septembre 2020. Nous sommes à septembre 2020. La Bigotière pourrait être le témoin de cet événement. Un événement de ce genre, c'est exceptionnel. Oula. Et nous sommes le 5 septembre 2020, vers 18h36. 300 millions d'années, 18h36. Ça, c'est la précision. Hein. Êtes-vous prêt pour vivre une histoire pas tout à fait ordinaire? Oui. Non. Certains sont prêts. Alors, je vais donner pour ceux qui sont un peu... quelques... Ah oui. Eh bien oui, il faut y aller. On va y aller en route vers la recherche d'un bloc de glace. Il y en a un, pas très loin, qui se cache. Habituellement, ils apparaissent, ces blocs de glace, dans les bois, dans la forêt, entre arbres et ruisseaux. On trouve ces blocs qui émergent. Et petit à petit, on s'en approche. Et qu'est-ce que l'on découvre? Un bloc de glace. Mais dans le bloc de glace, qu'est-ce qu'il y a? Géant. Donc c'était un bloc de glace géant. Il faudra être patient pour voir le papillon géant et peut-être l'aider à reprendre son vol. Un vol peut-être éphémère, mais tellement extraordinaire. Allez, à droite.
Quelque part de ce chaos en direction du hameau. Qu'il y ait des traces visibles. Les calculs de certains savants aujourd'hui, il semblerait que demain matin, sur le coup de 7 heures du matin, il ne se passera rien. Ouais, je savais, c'est comme moi non plus. Mais, oui, 8 heures, rien. Dimanche, 9 heures, frémissant. 9h30, 10 heures. Après, la nature, vous savez ce que c'est, nous réserve bien les surprises. Ça a bien fondu, Malo? Hein? Pendant la nuit, ça a bien fondu? Ouais.
Ouais. Et tu penses qu'il y a quoi à l'intérieur? Papy, il avait froid? Bah oui. Je pense qu'il s'était vraiment complètement endormi à cause du froid. Et normalement, là, on espère hein, qu'il va se réveiller. Quoi? Ça, c'est ses yeux. Ça, c'est ses antennes. C'est plutôt un papy. Hein. Ah, regarde. Toi, tu vois un escargot, toi. Oh, c'est drôle, c'est des ailes de quoi. Il est insatisfaisant. J'ai hâte de le voir s'envoler, moi. Non, mais c'est pour ça que les mecs qui récoltent le d'ailleurs. Il est en train de mettre. Le pavillon. On va faire passer le glaçon qui est à quelques millions d'années. Alors on va se prendre. Alors est-ce qu'il va descendre ce papillon? Voilà. Si vous voulez toucher un glaçon de plusieurs millions d'années. C'est ça, je suis dans l'air. Que ses ailes sèchent, je pense que c'est ça un peu le processus. Non? C'est vrai, exact. Donc peut-être que dans il y a encore de la glace, un petit peu de prise. Oh,
génial. Et ça m'a fait penser à Royal Deluxe. Ouais. Qui avait des petits bazars, des petits machins. Des artifices. Ouais, voilà. On rêve, quoi. C'est mignon avec la musique. Ouais, la musique qui t'a transporté. C'est un moment assez poétique, ouais. La joie des fans. Bah c'est cool, t'as des papillons dans le ventre. Ah ça carrément, on peut le dire. J'aime bien l'aspect mécanique, c'était bien fait avec le vélo. Très les... bien fait, ouais. C'est ingénieux, ouais. Ouais. C'est très impressionnant, après 300 millions d'années, voir dans quel état est le papillon. Comme quoi la glace, ça conserve. Je vais moi-même y mettre. J'y penserai pour mes vieux jours. Eh bien, je crois qu'on peut applaudir les créateurs.